Donc, je vous présente mon panel ce matin. Je me suis dit, pour réchauffer la salle, pour partir la journée, on va se soumettre au même exercice qu'aux autres. Je leur donne 2 minutes chacun pour entamer une discussion sur qu'est-ce qui les intéresse. Et en 2 minutes, vous vous présentez, vous dites votre nom et ce que vous faites dans la vie, mais plus c'est long, moins il vous reste de secondes dans votre 2 minutes. On va commencer par José. Mon nom est José Plamondon. Je suis présidente du comité Internet Alliance numérique et je suis architecte de l'information, c'est-à-dire que je suis bibliothécaire de formation et donc je travaille dans les données. Ce qui m'intéresse en ce moment, c'est évidemment ce que j'appelle le capital sémantique. Toute la nouvelle économie construite autour du sens qu'on va donner aux données, c'est-à-dire toute l'organisation l'organisation des contenus, toute la structure et tout ce qui tourne autour de l'utilisation des données, tout ce qui tourne autour des filtres. Pour moi, les réseaux sociaux, ce sont des filtres et des amplificateurs à la fois de l'information. Donc, on se pose beaucoup de questions où s'en va, évidemment, entre le web social, le web des données. Il y a des opportunités, il y a aussi des enjeux, il y a toujours, évidemment, des pièges. On parle beaucoup de la googolisation du monde. On parle évidemment, de l'ouverture des données. On parle de la protection de la vie privée, de l'innovation aussi. Donc, voilà, c'est tout ce panier qui m'intéresse. Excitant et inquiétant. Inquiétant, excitant, mais c'est ça qui est le fun, parce que c'était juste excitant, ce serait plate. Stéphane? Oui, Stéphane Bousquet, je suis directeur des entreprises numériques à l'Office national du film du Canada, l'ONF pour les intimes. Deux thématiques, moi, qui m'intéressent particulièrement par les temps qui courent, en deux minutes, je vais me donner 30 secondes par thématique. Dans un premier temps, toute la notion, le concept de la curation de contenu, ceux qui étaient à la petite soirée Contenu Montréal la semaine dernière au Philips Lounge ont eu droit à une petite présentation de ma part sur le sujet. Donc, la curation de contenu, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Alors qu'on est rendu à une période dans l'existence du web où on est dans une situation de surabondance de contenu total, le web dénombre, il y a toutes sortes d'estimés là, qui volent à gauche et à droite, mais un des estimés les plus courants, c'est qu'on a présentement en ligne quelque chose comme entre 13 et 14 milliards de pages. Une recherche Google pour un terme, n'importe quel terme peut nous ramener des millions de résultats, des millions de pages. Donc, on est vraiment dans une situation de surabondance de contenu. Mon avis, c'est que le web algorithmique a vraiment atteint ses limites. Et puis, on doit partir à la recherche de nouvelles solutions pour faciliter, pour aider la recherche et l'accès au contenu. Dans un ordre plus général aussi, je suis de ceux qui prônent un retour de la présence humaine dans le web. Je suis donc pour une réinjection massive du facteur humain dans cette bébite qui s'appelle le web. Alors voilà. Martin. Martin Lessard, blogueur. Super court, blogueur. Alors, ce qui m'intéresse, la question que je me pose ces temps-ci, c'est les impacts du Web 2.0. On parle beaucoup de transparence. On voudrait que les organismes, même les industries, embarquent là-dedans. Quel genre d'impact que ça peut faire? Puis j'ai un peu remarqué que c'est une question de dire, d'avant toutes ces données-là, on va vouloir une transparence, donc une lisibilité pour pouvoir lire jusqu'au bout, pour suivre justement nos gouvernements, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils dépensent. Et ma question que je me pose, c'est comme, notamment pour la transparence, je vois déjà des organismes qui cherchent à rentabiliser un peu ce qu'ils font, à optimiser plutôt que rentabiliser, à optimiser. Et un des impacts que je vois, c'est qu'il y a des gens qui doivent justifier leur déplacement. Bon, mais ils doivent même des fois aller genre, pour une conférence, aller à un endroit, puis prouver qu'ils ont été à cet endroit-là. Ça ne suffit même pas de dire qu'ils ont été. Ils doivent s'acheter de la gomme ballon juste pour montrer qu'il y a un ticket d'achat sur place. Ils n'acceptent pas les Chicken Foursquare. C'est ça. C'est comme, mais une fois que les Chicken Foursquare vont être acceptés, qui est une manière, à mon avis, intelligente de ne pas faire acheter de la gomme ballon pour rien, c'est de se dire, alors du coup, pourquoi et qu'est-ce que ça va donner, cette lisibilité qu'on peut avoir d'en haut, jusque dans les moindres recoins, et l'aberration de forcer tout le monde à faire des Foursquare tout d'un coup pour justifier réellement. Donc, c'est comme, il y a un pouvoir qu'on délègue en haut.
Et alors, on ne fait plus confiance aux gens à leur parole. Et je me demande si ce n'était pas un des impacts au niveau de la dignité humaine de dire, mais on ne peut plus nous faire confiance quand on a cette transparence Web 2.0 partout. Big Brother. C'est bien parce que pour ma part, c'est un peu le complément de ça. Moi, j'ai beaucoup de réflexions présentement sur ce qu'on appelle les interfaces d'entrée de données naturelles, donc les censeurs. Justement, pas avoir besoin de dire que je suis à l'hôtel Bonaventure si j'ai dit à mon téléphone que j'étais à l'aise avec le fait de laisser savoir où j'étais géolocalisé, j'ai pas besoin d'intervenir. Les interfaces d'entrée naturelle comme le touch, on a vu beaucoup sur la tablette avec l'iPhone, l'iPad, comment ça pouvait changer notre rapport à l'interaction d'y aller avec le touch. La voix, on peut faire sur les téléphones Android depuis un bout de temps et maintenant sur les iPhones des recherches juste avec la voix. C'est probablement pas mal mieux que de texter dans sa voiture. Et puis, je suis fasciné aussi par les conséquences sociales les conséquences sociales hors ligne, si on peut dire comme ça. En anglais, ils disent « away from keyboard ». Avant, on disait « dans la vraie vie », mais dans l'Internet, c'est la vraie vie. Donc, on dit quand on n'est plus dans la vraie vie sur Internet, on n'est pas à son clavier ou pas à son réseau ou pas à sa machine. Je pense que ça va transformer la société de toujours vouloir être sur le réseau. C'est pas pour rien que Google teste des voitures qui se conduisent tout seules. Comme ça, on peut être sur le réseau. Parce que qui veut conduire une voiture, pour vrai, là? C'est à part quand on est un pilote, là, ou quand on vient de s'acheter une nouvelle Jetta, comme Alex en arrière. Non, je ne sais pas. Mais cette idée de dire, ben les mouvements, les forces qui ont mis en forme la société du 20e siècle ne seront pas les mêmes au 21e siècle, et ça va avoir une conséquence pour la société. Et ça passe par le web. Oui, ça passe par un paquet de petits bidules adaptés parce que c'est plus le fun de toucher un écran de tablette. Mais pourquoi on pourrait pas toucher un écran de télévision bientôt, là? Si vous avez déjà vu un enfant de 2-3 ans qui touche sur la télé et qui se demande pourquoi ça marche pas, ils vont s'attendre à ce qu'on puisse toucher un écran de télé. Et donc, toutes les transformations qui vont se passer sur l'ensemble des technologies, moi, je pense, vont être ramenées par le web parce que le web, ça reste la grande plateforme qui touche tout le monde. Ce préambule étant amorcé, j'aurais envie de poser la question à Martin. Tu parles de transparence. C'est bruyant, toutes ces affaires-là aussi. Même comme individu, on est en surabondance. La curation de contenu, c'est un petit peu dans le même sens. La sémantique pour extraire ce qui est plus important pour nous. On est-tu tanné de trop d'affaires sur le web? Bien, moi, ce que je pense, en fait, peut-être pour répondre très rapidement, au fond, on est autour de nous, même actuellement, vous avez plein de stimuli, la lumière de partout, les gens qui bougent, les sons, et on ne l'entend plus, on arrive à porter notre attention sur certaines affaires pour survivre dans le monde réel. Je crois qu'au niveau informatique, on va arriver à trouver une manière, je ne sais pas comment, mais à focusser uniquement sur ce qui nous intéresse, et je pense que ça passe par le réseautage social, en fait, le filtrage social, et donc cette création d'une bulle autour de nous qui va filtrer d'une manière efficace ou en tout cas efficiente pour qu'on ne soit pas justement inondé par cette surabondance de... Mais on n'est pas rendu encore. Oh, non, pas du tout, mais on sent qu'il y a quelque chose. Puis ça ne me semble pas être la réponse finale, mais la réponse intermédiaire. Suite à Google qui nous a amené cette commodité de l'information, on peut enfin chercher. Puis on oublie, là, jusqu'à tout récemment dans l'histoire de l'humanité, chercher une information, c'était compliqué, puis pas donné à tout le monde. Google, depuis 10 ans, nous l'a offert. Puis même aujourd'hui, si ça prend plus que 2 secondes, on se fâche. Alors qu'avant, ça peut prendre 2-3 semaines. Mais le réseautage social, à mon avis, vient aider pour un certain temps encore. Oui, mais il y a quand même quelque chose de fondamental qui s'est perdu avec le web, et c'est toute la dimension ludique. La dimension ludique du web où, en ce moment, le web est très, très utilitaire. Comme tu dis, tu cherches une information précise, tu vas sur Google, et puis, je ne sais pas moi, quel temps il va faire demain, c'est quoi la 48e décimale de pi, quelle est la capitale du Liechtenstein, je veux dire, ça oui,
Je veux dire, entre Google, Wolfram Alpha, Siri maintenant sur nos téléphones, ça, oui, le web est une machine très, très bien huilée, très, très efficace. Ce que je trouve tragique, c'est que, je ne sais pas s'il y en a plusieurs dans la salle qui se rappellent de la première fois qu'ils sont allés sur le web. Moi, ça remontait à 1994. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à un certain égard, on a comme bouclé la boucle. Les premières fois que je suis allé sur le web en 94, c'est ça, sur mon vieux Mac 2VX avec un modem 56K et un paquet de post-it, parce que dans le temps, quand tu lançais Mosaic ou Netscape 1.1N, ben là, tu ne savais pas où aller. La question fondamentale, c'est où est-ce que je vais? Et puis là, tu partais sur cette espèce de d'aventure. Puis c'est pas pour rien là, que Netscape s'appelait Navigator, c'était ça, là, tu naviguais là, vraiment. Là, Es-tu déjà arrivé à la page au bout de l'Internet? Ben oui, bien sûr, comme tout le monde. Non, mais il y avait un annuaire. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'en 94, on se posait la question, bon, je suis connecté, je suis en ligne, où est-ce que je vais à cette heure? Et ce que je trouve, c'est qu'en 2011, le contexte est complètement différent, mais la boucle est refermée parce qu'on se repose la même moseuse de question, où est-ce que je vais à cette heure? Parce que face à une... toujours dans un contexte de recherche très ludique d'information, quand on est confronté à 8 millions de résultats sur une recherche sur un mot-clé donné, je veux dire, regarde, là, j'ai pas le temps, là, j'ai pas le temps de parcourir ces 8 millions de résultats-là. Est-ce que c'est pour ça que Facebook est si populaire? C'est comme la loi du moindre effort? Ben, pas juste Facebook, Reddit. Moi, je m'excuse, je sais pas s'il y a bien des utilisateurs de Reddit dans la salle, mais moi, on lève la main, non, très peu. Ah ben, écoutez, moi, depuis que j'ai découvert Reddit et des sous-Reddit pour des sujets qui m'intéressent, pour moi, maintenant, le web s'est rendu ça. C'est groupes de discussion thématiques. Et c'est de la découverte pure, tu sais. Peut-être par rapport à ça, je pense que ce que Facebook a amené pour voir si ça marche, ce n'est pas nécessairement pour l'information ou le contenu qu'on va partager, c'est que la valeur qui est perçue dans ce contenu-là, minimalement, quand on l'échange, la valeur, c'est de se dire, on est dans le même réseau. Moi, je veux me lever le matin puis lire la même information que mon réseau. Oui, je peux lire d'autres choses que peut-être que les Chinois vont peut-être lire, mais si je ne peux pas le partager, ça ne sert à rien. Donc, l'information minimum ou la valeur minimum dans Facebook, c'est de se dire, j'appartiens au même réseau que le réseau que j'ai décidé de suivre. Pour ce qui est de la ludicité de la recherche, il faut dire que je suis un peu un rat de bibliothèque, donc j'aime ça, moi. J'aime ça fouiller dans des montagnes d'informations. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est on pressent l'évolution aussi des moteurs de recherche. On a des résultats qui sont affichés de façon linéaire, alors qu'on sait que Internet est beaucoup plus complexe. On sait que l'information, tout ce qu'on recherche est beaucoup plus complexe et donc demanderait peut-être un affichage ou quelque chose de plus organique. On s'imagine facilement une page avec des bulles qu'on peut tirer parce qu'on a un contexte, parce qu'on a, par exemple, sur guerre, ben, y a guerre des nerfs, les guerres. Donc, on aurait, évidemment, on peut imaginer les liens avec les langues, avec les sociétés aussi. Parce que, quoi qu'on dise, Google est encore très global, n'est pas réellement local. C'est-à-dire qu'il y a toujours les mêmes, quand même, grosso modo, les mêmes réponses qui sortent, là, quel que soit le pays où on est. Donc, on rêve à ça, et c'est ça qui est excitant. Et je pense que c'est le côté ludique va revenir par les interfaces. Mais je pense que la conversation, si on regarde Facebook ou Twitter, ou quand on dit les réseaux sociaux là aujourd'hui, on veut-tu vraiment dire d'autre chose que Facebook ou Twitter? Peut-être un demi ou deux autres demi-réseaux, là. Mais si on regarde les conversations, par exemple, sur Twitter, c'est l'anti-engin de recherche. Pour moi, il y a ça, c'est ludique, Twitter, là. C'est le fun, là. C'est drôle. Il y a des batailles d'égo sur Twitter, local ou international. Il y a des informations en primeur. Il y a de l'humour, il y a de l'ironie, il y a de la désinformation. C'est vraiment le couloir infini par excellence où on croise les gens puis qu'on peut aller prendre un café, par exemple. Donc, de ce côté-là, c'est ludique parce qu'une pause café, c'est ludique. Sur tapis roulant parce que ça avance toujours seul. C'est infini, oui. Et c'est ce qui fait la beauté de ces réseaux-là aujourd'hui en 2011. Quand on regarde Facebook, pour revenir au cas de Facebook, moi, ce que je trouve intéressant,
sur cette plateforme-là, c'est plus nécessairement, oui, c'est le fun d'être en lien avec, avec ses amis, avec ses proches, puis tu sais, d'avoir des photos du week-end d'un tel et un tel et tout ça. Sauf que on a passé le stade sur Facebook du fil de statut où ce matin, un tel a mis telle affaire sur ses toasts, puis l'autre est pris dans le trafic, puis hier, c'était donc bien le fun, tout le monde en parle. Moi, de plus en plus, quand je regarde mon fil de nouvelles sur Facebook, ça devient davantage un espace de curation que juste un espace d'échange social. C'est pas juste une affaire de geeks, ça. Mais moi, ma famille, ils font pas ça. Là. Ils me disent, moi, Sylvain, je comprends jamais rien de tes statuts Facebook. Non, mais c'est triste. Non, mais de plus en plus, puis non, tu mourras pas dans ta bulle. De plus en plus, tu sais, quand je regarde mon univers Facebook qui consiste d'un réseau qui est pas du tout geek, puis le côté geek, ce que je vois, c'est que Il y a une espèce de contamination qui se fait là, de l'univers geek vers les non-geeks. Et de plus en plus, je vois des amis qui travaillent très, très, très loin de l'univers des médias numériques, qui partagent des articles de journaux, qui partagent des statuts sur Twitter, qui partagent des pages web, et ainsi de suite. Moi, je pense qu'il y a deux manières de suivre. C'est soit que tu suis, comme tu viens de dire, l'opinion de quelqu'un, partager un article, mm-hmm. c'est une opinion, et suivre une personnalité ou en fait la personne. Donc, il y a vraiment ces deux trucs, ben, je dirais peut-être pas contradictoires, mais qui sont complémentaires actuellement. Puis je crois que suivre les opinions, c'est quand même peut-être minoritaire. On est dans une bulle encore, je crois. J'ai pas dit qu'on mourrait, que je mourrais tout seul dans ma bulle. J'ai dit « on va mourir dans notre bulle ». Mais c'est vrai, il y a des manières d'utiliser les médias sociaux qui évoluent. On a la chance peut-être d'être la première, même j'inclus tout le monde qui est ici. Si vous êtes au WebIN, si vous êtes intéressé à ce qui se passe, à l'émergence du web, à ce qui arrive, ça prend quand même. Et on peut peut-être parler un petit peu de ça. Moi, une de mes grandes déceptions, je pense que c'est parce que je m'en viens plus vieux, ça prend toujours trop longtemps que les affaires vraiment intéressantes soient répandues. Moi, à date, là, c'est à peu près 10 ans. Il y a quelque chose qui m'excite vraiment, j'ai hâte que ça arrive, puis que ça arrive vraiment. Au début, je pensais que ça prenait 2-3 ans. Là, je pense que ça prend 10 ans. Je suis en train de penser que ça prend peut-être 25 ans pour d'autres. Mais peut-être parce que tu es habitué aux médias où un message passe rapidement à des millions de personnes qui ont eu un canal, eux, pour répandre de l'information. Donc, un changement social, ça passe très rapidement par les grands médias. Alors que nous, on est par les petits médias, c'est juste plus long parce que tu contamines les gens, mais petit à petit. Et donc, ça, c'est, à mon avis, un cycle de contamination naturel. Alors que les médias, c'est pas naturel, mais tant qu'eux n'ont pas été contaminés. Mais pourquoi on n'est pas capable de faire mieux que les médias traditionnels? On est mieux équipés. Parce que les médias, ce sont des messages, mais les changements dont tu parles, là, ce sont des usages. Et comprendre le message, je travaille beaucoup en changement organisationnel quand on essaie de reformer des données. Et c'est facile, les gens comprennent très bien le message, mais l'adapter, se l'approprier, l'intégrer et être partie prenante du changement, ça prend beaucoup de temps. Parce qu'on est tous humains, là, malgré tout, on garde des habitudes, on a notre zone de confort et on continue à faire comme on a toujours fait. Et c'est ça le plus gros défi, parce que plus le changement s'accélère, notre capacité, nous, à s'adapter au changement, elle évolue vite. Et donc, si je veux faire avancer les technologies, il faut que j'arrête de m'occuper des technologies puis que je m'occupe des gens. S'occuper du monde. Mais c'est juste à côté, on a occupé Montréal, là, puis les médias n'en parlent pas parce que le message est terminé pour eux. Ils n'ont pas trouvé le message, puis le message, c'était d'avoir des tentes. Mais c'est terminé, ça aussi. Alors qu'ils sont toujours là. Nous, si on veut se déplacer, donc, pour être contaminé par leur point de vue, il faut s'arrêter et y aller. Et ça, c'est long, on ne veut pas. Donc, on contamine. Eux, sont 500, mettons, je ne sais pas, ou 200. Mais ça prend du temps pour contaminer 2000. Mais ça paraît que tu ne suis pas le hashtag Occupons Montréal ou Occupy Montréal. Mais combien le suit, c'est ça, par rapport... Mais il y a tellement de bruit, il y a tellement de volume. Puis c'est ça que je me dis, c'est quand même frustrant de ne pas être capable de hacker les médias traditionnels. Je me dis, on est plus intelligent que ça, là. Parce que non, on ne réussira pas, parce que ce vortex-là a besoin de formats déjà préétablis, et le format induit que le contenu doit fitter dedans. Donc, c'est sûr qu'on ne pourrait jamais rentrer au centre. Comme toi, tu n'aurais jamais un blog sur Radio-Canada, tu ne serais jamais à la radio d'État. Je suis en périphérie, je vous ferai remarquer quand même, sur un blog que même à l'interne, ils ne lisent pas. Alors, vous avez une idée.
C'est mon impression. Ah, bien, ça, c'est le même dans toutes les entreprises, hein, c'est comme ça, Radio-Canada. mais on parlait tout à l'heure, on va voir cet après-midi un de nos micro-conférenciers, justement, qui fait un programme en ce moment de formation aux études supérieures à Concordia, Human System Integration. Et c'est ça qui est intéressant, c'est parmi toutes les technologies qu'on a et tous les systèmes qu'on a, il est temps qu'on s'occupe de l'intégration aussi des systèmes humains. Et c'est ça qui a pris le plus de temps. Comment on va mobiliser, engager des gens au changement, pas en les forçant, mais en disant, en suscitant assez de curiosité et assez d'intérêt pour dire, oui, moi aussi, je vois mon rôle là-dedans, voici ce que je peux faire. Et c'est ça qui manque encore. On a beau avoir des technologies, on réagit toujours de façon, en principe, favorable à des choses qui nous apparaissent utiles, qui nous apparaissent nous aider, mais comment on se met ensemble, parce que c'est ça le problème, souvent, on est plusieurs, souvent à penser chacun de notre côté que c'est bien, c'est parfait, on est content, mais comment on se connecte ensemble, malgré les réseaux sociaux, il y a cette connectivité-là qui n'est pas encore... C'est un bon point. Moi, je pense qu'en quelque part, au niveau de la collaboration, si on parle du travail collaboratif, on va aller un petit peu plus en entreprise ou du côté du travail. Moi, je croyais beaucoup dans le pouvoir des wikis pour faire de la collaboration trop compliquée à utiliser. Les blogs pour disséminer l'information, c'est vrai. Est-ce que vous avez lu les commentaires sur la plupart des blogs? Déprimant. Est-ce que, comme société, on est prêt à vraiment utiliser des outils de collaboration numérique? Des fois, je ne suis pas sûr si c'est la faute des outils ou si ce n'est pas la faute des humains. Et on a beau dire, c'est extraordinaire, Wikipédia. J'aime Wikipédia. Mais je suis tanné d'avoir toujours l'exemple de Wikipédia comme un projet collaboratif qui marche. Il me semble qu'il n'y en a pas tant que ça. C'est parce qu'aussi, il faut faire attention. Le Wikipédia, c'est un projet collaboratif, mais c'est un moyen vase clos aussi. Là. Il y a l'image publique, et puis là, on ne se mettra pas à casser du sucre sur le dos de cette œuvre-là, là, parce que c'est quand même monumental comme projet. Mais, collaboratif, oui et non. Là. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de contribuer à Wikipédia ou d'y mettre du sien, là. Aïe, c'est vraiment, il y a vraiment une énorme chasse gardée là, autour de ça. Cela dit, il existe en ce moment des plateformes et des projets collaboratifs qui, comme je mentionnais plus tôt, cherchent à vraiment réinjecter le facteur humain. Et je ne sais pas si, comme tu dis, c'est parce qu'on vieillit ou c'est la crise de la quarantaine qui guette ou quoi que ce soit, mais moi, je trouve ça extrêmement excitant de voir des projets qui reposent de manière aussi fondamentale sur une contribution humaine. Un des sites, moi, qui me, avec lesquels j'ai le plus de plaisir à visiter puis à travailler avec, c'est Quora. Parce que Quora, c'est une espèce de mine d'or complètement folle d'informations, de questions sur tout. Ça part dans tous les sens et tout ça. Tu as une question pointue sur, tu sais, comme moi, mettons, je suis en train de travailler sur un plan d'affaires, j'ai besoin d'une information fine, pointue. Tu pitches ça sur Quora, tu fais rayonner ça sur Twitter, puis là, tu ne sais pas ce qui va te revenir. Des fois, ça peut être rien, et des fois, tu vas te faire servir quasiment ton travail sur un plateau d'argent, tu sais. C'est du contenu qui t'est livré par des individus avec cette couleur-là puis avec cette espèce de biais humain-là. Bénévolement, qui manque justement à tous ces systèmes comme ultra soignés ou poussés par de l'algorithmie pure. Là, ouais. Comment on ramène l'humain dans nos projets web? C'est une grande question. Je suis pas sûr qu'on va avoir la réponse dans les 5 prochaines minutes, mais... Bien, moi, je crois que c'est ramener l'humain veut dire automatiquement rendre peut-être plus petit la portée, en tout cas au début. C'est sûr que c'est plus petit, des petites bouchées, c'est normal, c'est humain. Tu ne peux pas changer 1 million de gens facilement. T'sais. Je pense qu'il y a des révolutions qui peuvent le faire, les médias, les grands médias peuvent arriver à le faire. Mais je pense que si on veut faire entrer de l'humain, c'est un par un. Je pense qu'il y avait Bruno Bouteau qui le répète tout souvent, c'est un accueil où tu des gens un par un, et là, on embarque, puis dans notre communauté aussi, on est tous embarqués un par un. L'image que je donne souvent, c'est vu de loin, l'eau, quand on fonce dessus, bien, on s'éclate, on ne rentre pas dans l'eau. Dans l'eau, on rentre lentement et là, on peut rentrer. Donc, je pense que c'est ça, et c'est la lenteur doit revenir. Apprendre à aller plus lentement. La lenteur à l'ère de l'immédiateté, à l'ère, justement, la discussion qu'on a eue avant de commencer, c'est qu'on veut être là tout de suite. On veut que tout soit là tout de suite. Il y a quelque chose de... La rapidité est pour l'information, mais la pensée est pour la lenteur.
c'est des forces contraires. Et donc aussi, ça nous, on pense moins. Si quand on parle tout le temps, on pense moins. Réseaux sociaux, on parle beaucoup. Non, mais moi, en fait, de manière un peu parallèle, on a vu avec l'arrivée des médias sociaux en petite bouchée, les status update de Facebook, les messages sur Twitter, on a vu, même sur Google+, une certaine disparition des blogs. Moi, je suis triste La conversation est partie sur Twitter, mais les blogs de pensée, eux, sont restés. Mais les blogs qui voulaient juste faire la conversation, eux, ils ont disparu. Mais je ne serais pas si triste que ça, parce que lorsque les blogs ont fait leur apparition, c'était à ce moment-là pratiquement le seul média citoyen. Avant ça, si tu voulais avoir une voix sur le web, ben, je veux dire, tu sortais PageMill ou Dreamweaver ou Notepad si tu étais vraiment geek. Ou GeoCities. L'arrivée des blogs, c'était le seul moyen à ce moment-là pour monsieur, madame, tout le monde de prendre parole. Moi, je veux dire, en 2001, je m'étais parti à un blog, Movable Type, sauf qu'après un certain temps, j'ai réalisé, puis c'est pas donné à tout le monde. Je n'ai pas de plume, et je l'avoue bien noblement. Je suis quelqu'un qui sait écrire, mais je n'ai pas la patience, puis je n'ai pas toujours l'inspiration. Alors, puis j'ai toujours un blog, et puis il y a quelque chose comme quoi, 4 posts dedans, il n'a pas été mis à jour depuis 3 mois. Ça ne fait pas de moi une personne moins volubile, moins éloquente, avec moins d'idées, mais c'est juste que ce mode d'expression-là ne me sied pas. Alors là, ce qu'on est en train de voir, c'est l'arrivée de toute une nouvelle génération d'outils permettant aux internautes de s'exprimer. Puis, je veux dire, s'exprimer via 140 caractères, ça va très bien à quelqu'un, puis ça ne rend pas cette expression-là moins valable. Et lorsqu'on voit apparaître des outils de curation tels que Tumblr ou Scoop-It, là, en ce moment, ce qui est très drôle, parce que là où je vois que ce phénomène-là, je pense qu'il y a quelque chose derrière ça. C'est un phénomène qui a de la valeur. Lorsque les blogs sont arrivés, tu as eu une grosse partie de la colonie journalistique se sont mis à crier au scandale, puis des blogueurs, c'est pas des journalistes, puis bloguer, c'est pas du journaliste, puis ça manque de rigueur, ça manque d'éthique et tout et tout. Là, ce qu'on est en train de voir face au phénomène de la curation de contenu, tu sais, les gens qui se partent un Tumblr puis qui n'écrivent pas, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils pigent du contenu à gauche et à droite, puis se montent un site en fonction de morceaux de contenu. Trio volet comme ça. Mais là, tout à coup, tu vois des gens qui sont plus dans les métiers de rédacteur en chef, des gens dans le milieu de l'édition qui disent ça, là, non, je veux dire, c'est de la fraude, ces gens-là, ils ne savent pas ce qu'ils font, là, ils ramassent n'importe quoi, ils n'ont pas de mérite, c'est des fraudeurs professionnels et tout et tout. Fait que je me dis, ben écoute, si ça excite le poil des gens, ben la vieille garde, ben je pense qu'il y a quelque chose derrière ce phénomène-là. C'est deux phrases que j'ai beaucoup aimées dans les derniers mois. Une qui est vraiment dans ce sens-là, qui dit toute révolution, qu'elle soit technologique ou sociale, avait toujours l'air d'une joke ou d'un jouet ou de quelque chose de pas sérieux quand ça a commencé. Donc, on a tendance à ne pas regarder ça. Et d'un autre côté, quand quelqu'un demandait à Chris Dixon, c'est quoi le futur de l'Internet? Puis il dit, toute industrie qui n'a pas été bouleversée par Internet va l'être dans les 10 prochaines années. Quand les gens me disent, on a tout vu, on a fait le tour sur le web, ben non. Un, parce que ça prend du temps. Deux, parce qu'on commence à être à l'aise avec ces outils-là. Trois, parce que c'est des changements de société qui prennent 25 ans à arriver. On est au début du web. Je m'excuse de vous dire ça, on est censé parler du futur. On va parler juste un petit peu de notre très court passé. Ça fait juste commencer la société en réseau. Ça fait une décennie peut-être que la société est en réseau, que le monde entier, en théorie, s'ils ne sont pas derrière un firewall en Chine, ou derrière un firewall au gouvernement du Québec pour pouvoir aller sur les sites de réseaux sociaux, même combat. On commence la société en réseau. On n'a pas encore les élèves qui sont présentement au primaire, au secondaire, apprennent pas vraiment à bien servir des outils sur le réseau parce que les gens qui l'enseignent n'ont pas cette culture-là. Donc, il y a aussi... c'est comme une révolution culturelle, en quelque sorte, qui commence à peine. Une génération qu'il va falloir attendre au moins une génération, c'est-à-dire que les gens qui sont les transmetteurs de savoir soient des gens de cette même génération, c'est-à-dire qui sont nés là-dedans. Et puis même naître dedans n'est pas une garantie. Non, c'est pas une garantie, mais c'était déjà dans un autre... T'es déjà dans une autre... Moi, j'étais outré, j'ai eu la chance d'aller... donner une classe à l'université,
Et il n'y a personne qui savait bien chercher dans Google. Je me suis dit, est-ce que vous n'êtes pas toujours en train de chercher des informations dans Google? Il n'y a personne qui vous a jamais montré comment utiliser 3 mots-clés pour faire une bonne recherche dans Google? Non. Et donc, ça montre qu'on prend aussi pour acquis ce qu'on fait. Puis peut-être dans notre métier, c'est aussi un défi. On a toujours un peu à prouver ce qu'on est en train de faire. On a tous différents rôles où on doit prouver aux gens autour de nous que c'est une bonne idée, qu'est-ce qu'on fait. Dans mon cas, c'est des investisseurs privés. Dans ton cas, Stéphane, c'est une organisation un peu plus large. Toi, José, tu te promènes un peu partout. C'est des entreprises en général. Martin aussi, auprès du grand public, mais comme consultant auprès d'entreprises. Est-ce que, peut-être en conclusion, est-ce que vous avez l'impression qu'on a plus l'oreille maintenant qu'avant ou non? L'oreille de qui? De la société en général, que ce soit les entreprises ou... Moi, je peux dire qu'il y a l'oreille du grand public uniquement parce que ça s'est mis sous une forme d'un grand buzz. Il faut être sur les médias sociaux. Il y a donc une partie de buzz derrière ça. Ben oui, dans ce sens-là, c'est comme si on a c'est comme les gens ont peur de manquer le bateau comme le web il y a 20 ans, donc ils veulent sauter aujourd'hui, donc ils nous écoutent. On a gagné quelque chose quand on a arrêté d'appeler ça des réseaux sociaux, puis on appelait ça des médias sociaux? Peut-être quand les médias traditionnels ont sauté dedans, et donc il y a eu une association des médias trad avec les médias sociaux, oui, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose, et c'est les nouveaux vecteurs, le vecteur. C'est à travers les médias traditionnels que c'est rentré dans le grand public. Mm-hmm. C'est pas à travers nous. Nous, ça a pris trop de temps, ça a pris 20 ans, mais eux, en 2-3 ans, paf, ça l'a viré de bord. Mais ça veut pas dire que c'est nécessairement bon, mais le message s'est rendu. Non, vas-y, José, parce que moi, je vais faire dérailler tout ça. On va te laisser un commentaire de conclusion. Ouais. Vas-y, José. Ça, les déraillages. Déraillement, plutôt. Oui, on a un peu plus l'oreille. Moi, je le vois plutôt du côté généralement des affaires, des entreprises, parce qu'il y a une recherche de nouveaux modèles économiques. Donc, il y a ce que j'appelle, puis là, je ne suis pas la seule, on le voit, il y a Hubert Guillot, que j'aime bien lire sur son blog La Feuille. Il y a une économie cognitive qui est en train de se construire, c'est-à-dire qui est fondée autour, justement, de l'exploitation des données, qui est fondée autour, ce que j'appelle, du capital sémantique. Donc, quand on fait un bon exemple de capital sémantique pour les gens qui se poseraient la question, c'est les fameux, entre autres, AdWords, payer pour acheter des mots-clés. Donc, la valeur des mots-clés, la valeur du positionnement, mais pas juste sur Google, la valeur, comment j'exploite des milliers et les milliards de données sur lesquelles je suis assise. Donc, oui, on a l'oreille, ça commence parce qu'on voit le déplacement de la valeur du contenu plutôt vers les données et vers l'intelligence qu'on applique sur des couches de données pour pouvoir l'exploiter. Fait que maintenant qu'on peut l'exploiter, ça devient pas mal plus intéressant. Donc, évidemment, on va tous sauter dans le grand capitalisme. De toute façon, c'est des systèmes d'exploitation sur lesquels ça roule. Oui, d'exploitation. Parlons-en de l'exploitation. Alors, tous les travailleurs bénévoles de Google que nous sommes tous, d'ailleurs, et travailleurs bénévoles aussi de la plupart des réseaux, sociaux. Les gens disaient de Facebook, si vous n'êtes pas client, vous êtes le produit. C'est ça. Ben non, mais il y a Facebook qui disait it's not personal, it's business. C'est sûr. Facebook est un réseau d'affaires. En fait, est un modèle d'affaires. On se permet de dérailler en conclusion. Oui, j'espère qu'on va dérailler fort. Non, pas dérailler, là, mais en fait, ce que je veux envoyer dans la salle, c'est une mise en garde. Parce que il y a un danger qui pourrait nous guetter. Tu dis que effectivement, on est quand même notre univers est quand même relativement jeune et tout, sauf qu'il n'est plus aussi jeune qu'il l'était. Moi, je pense à ça, ça fait 15 ans que je travaille dans le milieu du web, puis presque 20 ans des médias numériques ou l'interactivité, les arts numériques. Le multimédia. Donc, ça fait quand même un certain temps. Et écoute, à l'époque, il y a 10 ans, il y a 15 ans, tu sais, c'était vraiment enivrant, là, œuvrer dans cet univers-là. C'était de l'innovation constante. On faisait tomber les murs, on traumatisait tout le monde. Moi, en tout cas, les 10 ans que j'étais à Radio-Canada, les premières années, c'était quelque chose. Là, on brassait à cage constamment les gens de la radio, de la TV. On traumatisait du monde au quotidien. Et là... Maintenant que ça fait 10 ans, 15 ans,
pour que certains d'entre nous travaillons dans ce métier-là, dans ce secteur-là, il faut faire attention, commencer à faire attention, veiller à ce que le feu sacré se maintienne. Parce que... Tu ne traumatises plus personne. Là? Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Il y en a-tu qui traumatisent, par exemple? Ben oui, ça commence. Ça commence parce que la fameuse résistance au changement contre laquelle on s'est battu pendant 10 ans, pendant 15 ans, ben des fois, moi-même, je me surprends à me retourner vers mon équipe avec des plus jeunes, avec des plus idéalistes, plus idéalistes ou aussi idéalistes que je l'étais à une certaine époque. Et naïf. Là, tu te dis, ah, oh boy, pas un autre bébelle. Ah, oh, ça, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, après ça, tu dis, aïe, attends une minute, là, c'est parce que je viens de réagir exactement comme ceux, les vieux, qui me faisaient sacrer puis maudire, tu sais, en 97-98. Fait que ça, en tout cas, pour moi, très personnellement, je sais que c'est un danger qui me guette. Je regarde dans la salle, je pense qu'on a une belle représentation. Là, tu sais, je vois du 25 à 40, 45 et plus. Ça fait que c'est pas un message envers ceux qui sont plus de la vieille garde que la nouvelle garde. Il y a vraiment ce défi-là là, de devoir garder le feu sacré parce que le vieux monde et les vieux modèles ont vraiment, vraiment, vraiment la couenne dure pour toutes sortes de raisons. Il y a des enjeux économiques, surtout dans le monde des médias, en tout cas, des enjeux économiques qui sont hallucinants. Et que ce soit le monde de la radio, de la télévision, du cinéma, de la musique, la vieille garde a l'âge. Je ne crois pas le morceau de sitôt. Pendant presque un siècle, du moins dans le cas du cinéma, dans le cas des autres médias, c'est un peu moins, mais il y a vraiment des machines à imprimer, des machines hallucinantes à imprimer de l'argent qui ont été créées de toutes pièces. Puis c'est clair que ceux qui sont, à la barre de ces machines-là, il y a 10-15 ans, ils n'ont pas, laissé aller le contrôle, puis ils ne sont pas avec de le Ils ne seront déplacés que par d'autres machines à imprimer de l'argent qui vont les compléter. Pétitionner, peut-être? Ben peut-être, mais tu sais, l'adage du « analog dollars for digital dimes » jusqu'à ce jour est encore vrai. T'sais. C'est encore vrai. Et oui, on parle de Google, on peut parler de, tu sais, une poignée de success stories, mais non, on est encore très, très, très loin de l'envergure de cette espèce de machine à imprimer de l'argent-là qui est celle des médias traditionnels. T'sais. Oui, on va avoir une belle crise qui sera positive, j'espère. Mais on fait juste commencer. Et je dis crise, on pourrait dire révolution, on pourrait dire opportunité, on pourrait dire tout est encore à inventer. Moi, je veux terminer ça sur une note positive et optimiste parce que je suis un techno-utopiste. Moi, je pense qu'il y a plein de choses extraordinaires à faire, effectivement. Mais c'est quand même une tendance que j'observe. J'étais dans une journée réseaux sociaux la semaine passée, on a dit les spécialistes sont pessimistes. J'étais dans une autre journée où on a dit, si vous n'êtes même pas convaincus, vous autres, là, vous n'allez pas convaincre les autres. D'un autre côté, c'est incroyable le bassin d'activités. Moi, on a eu tellement de gens qui ont envoyé des présentations pour aujourd'hui sur des sujets divers. C'était fascinant. Je vais dans des événements où il y a des jeunes hackers qui font des affaires qu'il y a un an, j'aurais pensé que ça prenait un an puis un million à faire. Ils te codent ça en une fin de semaine puis ils livrent des projets qui, le lundi, fonctionnent mieux que d'autres choses qu'on a vues depuis plusieurs années. Donc, il se passe quelque chose. Puis je pense que Stéphane, tu mets le doigt sur quelque chose. Il faut renouveler cet esprit de créativité, d'émerveillement. Je pense que ça prend de l'émerveillement pour continuer d'avancer. Et cet esprit aussi de dire, ben, je vais essayer des trucs. Peut-être ça va marcher. Peut-être ça ne marchera pas. Peut-être que ce projet-là que je vais créer, je vais être obligé de le fermer après une couple d'années. Puis je ferai d'autres choses de ce que j'aurai appris. C'est ça qui est devant nous. Et je vous invite à écouter attentivement au cours de la journée nos micro-conférenciers. Ce n'est pas parce qu'ils sont micros qui n'ont rien d'intéressant à dire. Je sais que je leur ai fait peur tantôt quand j'ai dit qu'il y avait juste 5 minutes. Là, ils ont vraiment 10 minutes. Là. Mais je les prépare psychologiquement à être tête sur leur présentation.